Est-ce que ça vous arrive d'arrêter le temps pour vous déposer? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Salut ma belle gang, François ici. Je vous parle en direct du couvent de Valmorin, l'endroit où je fais les retraites de pleine conscience Kaizen et mes retraites de focus praticien en enseignement de pleine conscience. Et j'arrive ici pour une retraite de 4 jours avec mes élèves, avec mes participants dans la nature. Regardez à quel point la nature elle est exceptionnelle. Et j'avais comme questionnement, est-ce que ça vous arrive de prendre un recul et vous déposer? Vous déposer en silence, pas en venant saouler l'esprit de plein de connaissances, de plein de « je veux apprendre encore, puis je veux prendre des notes », mais plutôt venir se déposer. Entendre les oiseaux, le vent, marcher, entendre les bruits de mes pas, hein? Prendre les petites épinettes comme ça dans ses mains. Sentir qu'est-ce que ça cause à l'intérieur de moi, peut-être, cette ouverture-là? Bien manger, bien dormir, me reposer, méditer, faire du yoga, prendre des respirations conscientes, bien rien faire, regarder le feu. Est-ce que ça vous arrive de ralentir en arrêtant de mettre du code dans cette tête-là? Vous savez, j'ai vu une donnée dernièrement du fondateur de Google qui disait « Aujourd'hui, hein, à chaque 2 jours, ils rendent plus d'informations sur la planète. Là, à chaque 2 jours, il y a plus d'informations que de l'année 0 à l'année 2003 réunies ensemble. » Donc, je répète, à chaque 2 jours, il y a plus d'informations qui est créée sur la planète à chaque 2 jours que de l'année 0 à l'année 2003 réunies ensemble. Et c'est normal qu'on devienne saturé. C'est normal qu'on ne sache plus où mettre de la tête. C'est normal qu'on ait tendance à être stressé et à ne pas y arriver. Et c'est normal. Donc, la seule chose qu'il faut apprendre à faire, il faut apprendre à se déposer. Des fois, aller en retraite. Il y a plein de gens qui offrent des retraites. Des fois, aller marcher tout simplement dans la nature, faire la méditation, faire du yoga, prendre un recul tout simplement. Lire, ça peut faire du bien. Aussi, ça nous permet de décrocher. Mais il faut rentrer le moins de codes possible et revenir aux sons primordiaux, revenir à la base, revenir à ce qui est déjà là. Donc, observez-vous, prenez de la hauteur et posez-vous la question, est-ce que j'aurais besoin d'apprendre à bien rien faire? Et si c'est le cas, ben c'est peut-être la dernière vidéo que tu aurais à regarder aujourd'hui sur Facebook. C'est François Lemay qui vous dit, je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.